suite. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces qui pourront vous aider pour que vous utilisez mieux Clash of Clans déjà et puis pour autre chose. Donc voilà. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous montrer que les capacités du roi des barbares qu'on débloque à partir de l'HDV7. 10 000 gouttes d'élixir noir, 12 500 pour l'améliorer 2. Bref, il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer la première map gobelin, rien qu'avec le roi des barbares. La représailles. Et on va juste le mettre, comme ça. Alors, le roi des barbares, à partir du niveau 5, il maîtrise une capacité spéciale. Je sais plus. Bon, bah. Là, vous avez vu comment il l'a massacré vite fait. Alors là, c'est un peu trop facile. Alors, attendez. Ah oui. Voilà. Il a cette capacité grâce à sa poigne de fer. Bon, comme vous le voyez, niveau 1, parce qu'en fait, je voulais absolument que mon roi des barbares ait cette capacité. Et puis maintenant qu'il l'a, voilà. Alors maintenant, on va faire la forêt des gobelins. Alors, je sais, vous vous dites, ouais, c'est sûr, le roi des barbares, il est invincible pour les maps gobelins, mais enfin pour les premières en tout cas. Mais sinon, oui, mais puis après, ça dépend de la façon où on le place. Que si on le place, par exemple, tout au fond, il va perdre plus de vie. Le mieux, c'est bien de le positionner. Donc, voilà. Avant-poste gobelin. Alors, lui déjà, il va être un peu plus compliqué pour le roi des barbares parce qu'il y a deux canons. Il va vouloir s'occuper de l'HDV avant. Alors, là, comme vous le voyez, il est en train de perdre des vies. Grâce à sa capacité spéciale, il peut récupérer 500 points de vie et invoquer 6 petits barbares. Et avoir un sort de rage pour lui. Alors, le sort de rage ne fonctionne que pour lui et les troupes qu'il a. Alors, muraille de taille. Alors, je vous montrerai les premières maps et puis après je vous montrerai le reste dans une autre vidéo. Je vais pas tout vous faire. Hein. Bon, après, si vous êtes débutant et que vous avez besoin de conseils. Regardez cette vidéo. Vous regarderez les prochaines vidéos. Je vous montrerai. Alors, déjà, rejoindre un clan, c'est primordial. Hein. Comme ça, vous pouvez demander des troupes super fortes. Hein. Par exemple, au début, vous pouvez demander des ballons. Déjà, vous avez fini les deux premiers niveaux tranquilles. Hein. Voilà, allez hop. Donc là, il y a un petit barbare là, qui a commencé le dernier boulot. Puis voilà. Là, vous dites, c'est facile, mais quand même. Bon, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai encore quelques attaques. Juste avec avec mon roi, barbare, archer. Défi gobelin. Alors, voilà. Alors, lui, il va être plus compliqué, vous allez voir. Là, on voit, là où les gobelins sont passés, là, il y a plein de bombes. Normalement, ça devrait se déclencher, je pense. Ce serait beaucoup plus marrant. Et puis, mon roi des barbares, il l'a esquivé tranquille. Alors, vous pouvez voir le tout petit projectile. Là, qui fait aucun dégât. Bon, là, il est en train de perdre des points de vie. Ouais, attention. Et boum. Bon, du coup, il l'a réussi. Alors, la capacité du roi des barbares du sort de rage fonctionne pendant 10 secondes. Alors, elle est améliorable selon le roi des barbares que vous avez. Donc, voilà. Pour le défi gobelin. Je pense que je vais m'arrêter à ligne Maginot. Que vous avez. Ah non, mince, j'ai déjà fait. Parce que sinon, vous allez tout taper. Vous n'avez. Ce serait bête, voilà, course au canon. Alors oui, j'ai bientôt débloqué toutes les étoiles, hein. J'aurai bientôt le succès des gobelins, sachant que les derniers sont toujours les plus compliqués. Hein. Si
sûr que c'est pas le premier le plus compliqué. Hein. Bon, alors là, il y en a deux. Ça fait à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors, vous allez voir, là, je suis en train de perdre des points de vie, mais après, ça va être bien. Voilà, je récupère. J'ai deux petits barbares qui s'occupent de l'autre côté. Ah, vous avez pu voir mon sort de rage terminé. Vous pouvez vous dire qu'avec un seul barbare, enfin deux barbares, vous pouvez détruire un canon comme ça. Enfin, un barbare niveau 4. Hein. Alors, je sais, il y a plein de personnes qui disent que faut avoir les barbares niveau 5. Alors, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais comme j'utilise beaucoup plus les archers, j'ai préféré améliorer les archers niveau 5. Comme ça, ah, là, mon roi des barbares a dû se reposer un peu pour 50 secondes. Bah, je vais vous montrer vite fait les attaques. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu 26 trophées. Je vais faire ça. Je vais vous montrer celle-là où j'ai fait 50% pile poil. Au début, j'ai commencé à mettre quelques archers. Je vais accélérer ça. Il y a plein de trucs partout. Désolé. Et voilà, 47%. Il faut que ce soit mon roi des barbares qui fait le reste. Alors, je suis en train de me dire que j'ai de la chance parce qu'on voit la petite bombe géante niveau 3 qui va nous exploser à la gueule. Voilà. Alors pour la JDC, sinon c'est toujours King of Rush hein, où je suis. Donc voilà, je vais ressentir. Alors, bye Frozen, toi. Ah bah, dommage, il a quitté mon clan, il a déjà rejoint un autre. Voilà, alors si vous voulez me parler toujours, vous pouvez aller dans mon clan ou lâcher un commentaire. Alors. Allez, on est vers l'or. Alors, je pense que je vous montrerai les dernières maps des gobelins pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous apprendre un truc. Hein. Enfin, non, je vous apprends pas. Le roi des barbares, hein, si vous devez l'utiliser, vous faites comme un tank, comme un golem, vous le sacrifiez pour pouvoir tout casser derrière. Vous pouvez mettre ça, enfin, mettre votre roi des barbares. Et après, je vais poser vos archers, vos barbares, vos gargouilles, vos gobelins, tout ça. Alors, la reine des archers, c'est pareil, sauf qu'elle est moins résistante. Elle inflige juste plus de dégâts. Et qu'elle peut tirer de loin. Voilà, voilà, j'accélère. Hein. Oh, quelques coups. Ah, ma capacité est en train de se terminer. Victoire 100%. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'élixir noir, mais j'ai pas assez pour améliorer la réserve. Bon, là, j'ai un ouvrier de dispo parce que là, je préfère utiliser des améliors avec de l'or que. Des gouttes hein. Alors quand je fais mes attaques c'est pas forcément avec je repars avec beaucoup parce que moi mon but c'est de devenir master parce que j'étais dégoûté parce que j'avais 6 ou 7 trophées en trop enfin en moins pour passer master j'aurais eu un sacré bonus de guerre là j'étais dégoûté alors là le petit mortier alors le mortier si vous commencez avec lui enfin vous ne savez pas comment faire. Vous posez des archers comme ça. Enfin. Ah bon, vous. Si j'avais mon pad, je pourrais. Attendez. Non, je peux pas. Non, bah. Donc voilà, il est en train de se faire massacrer. Capacité. Hein. Je vais tellement vite que c'est même pas moi qui me prends les coups, c'est. C'est les barbares. Là, j'ai un barbare, il va être tranquille, il va massacrer le mortier. Après,
je vous montrerai pas d'attaque cochon. Hein. D'ailleurs, Nico95 préfère les appeler les attaques cochonnes. Et je sais, c'est tout con, mais en même temps, c'est de lui. Bon, là, il va se reposer un petit peu. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Alors, j'ai celui-là, c'est celle où j'ai perdu. Je vais accélérer. En fait, j'ai perdu, c'est à cause des ballons. Là, le sort d'empoisonnement, il est pas assez puissant. Bah oui, j'ai oublié. Ah bah oui, non mais en fait, j'ai pas assez pour l'améliorer. Voilà, je vais me massacrer. Là, c'est seulement avec le dragon. J'aurais dû le mettre en premier pour détruire là ces ballons de merde. Là. Punaise de cochon. Bon, il a gagné 26 trophées grâce à moi. Et moi, j'ai perdu 26 trophées. Bon, mon roi des barbares, il va se reposer un peu. Alors, je vais vous montrer... enfin, attendez, hein. Alors, comment... je vais vous apprendre aussi comment gagner un paquet de ressources. Alors ça, dans les autres vidéos, vous pouvez marquer ça. Il y a plein de vidéos dessus. Mais si au cas où vous regardez celle-là, et ben, le mieux... Alors, déjà, être un farmer, ça veut dire... mettre son HDV à un côté. Donc, moi j'ai voulu piéger un peu, c'est vraiment pas un village très farmer. Là, le coup des bombes, tout ça, c'est que une fois j'ai fait ça et puis j'ai gagné en 38 trophées. Là, avec Coca, vous l'avez déjà montré dans la ancienne vidéo. Oui, donc voilà. Donc en fait, soit vous êtes. Vous pouvez être bronze. Bronze 1, argent, argent 3, argent 2. Vous pouvez gagner environ 300 000 minimum si vous êtes un HDV 8. Ou alors si vous êtes un HDV 6, vous pouvez gagner, je sais pas, 150 000, 200 000 maximum. C'est que on va pas vous mettre 400 000 d'un coup juste parce que vous avez été ou pas. Alors là, j'ai 180. Je pense que déjà, je vais vous montrer la dernière map, la tour d'acide. Alors. Moi, à chaque fois, j'ai utilisé mon roi des barbares pour casser la défense. Je sais que j'aurais dû utiliser des casse-briques. J'invoquais mes archers, je détruisais les mortiers, la tour de sorcier. Et c'est à cause de ces petits tours d'archers niveau... Je crois pas qu'il est max. Avec ses canons et ses deux autres tours de sorcier. Mais sinon, j'aurais bien voulu utiliser mon attaque dragon. Mais le souci, c'est que les défenses anti-aériennes, mais j'ai pas encore... Il me faudrait une potion de foudre encore pour que j'arrive à en casser une. Donc voilà, concocté. Alors, en usine à sort noir, j'ai juste les sorts d'empoisonnement. Ah oui, effectivement, j'en aurais besoin. Les sorts d'empoisonnement, enfin les sorts noirs, ils mettent pas beaucoup de temps à être formés. Donc c'est bien, c'est utile. Ah, donc il me faut 25 000. Donc voilà, vous voyez là mes niveaux. Je sais, il y a des trucs que je peux améliorer facilement, mais il y en a, je trouve qu'ils servent complètement à rien. Par exemple, les géants. Au début, j'arrêtais pas de m'en servir, et puis après, ça m'énervait. Parce qu'il y a les troupes de château de clan, ils ont profité pour les massacrer. Bon, alors sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah alors, le chef de mon clan, il s'appelle Joel FC. Alors, je vous montre son village, hein, pour vous décider à venir. Alors, lui, il a 11 dragons, niveau max. Donc, vous pouvez vous dire que vous pouvez avoir des dragons niveau max ici. Alors, je vais laisser un petit message. Coucou, YouTube. Voilà. Il a des tours de l'enfer. Alors, les archers. Alors, lui, il a fait comme moi. Il a juste débloqué la capacité de son roi. Et puis, c'était bon. Alors, je vais vous montrer. Alors, Hugo Ripopo. Alors, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, même si c'est complètement nul. Voilà, son village est détruit. On va plutôt aller le voir en GDC. Parce que dans la GDC, son village est normal. Alors, voilà, explorer. Alors, voilà son village en GDC. Hein.
Alors franchement, rien qu'avec 8 dragons, son village il est mort. Il y a juste à mettre deux potions de foudre là. Voilà, il détruit tout d'un coup. Alors, il n'a pas joué Hugo depuis 2 heures, 3 heures limite. Environ 3 heures et demie. Donc, il y a 3 heures et demie, il était connecté. Alors, je vais vous... Juste aussi, je vais vous la refaire, ce coup-là, de remontrer ce qu'il y a dans le château de clan de Nikkei 95. Au cas où vous l'attaquez, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah bah, il a que dalle, donc voilà le conseil du jour. Alors, là, il est en train de construire encore sa caserne noire. Il a son chez son barbare. Alors, voyons voir si mon roi. Bon. Alors, je pense qu'on va arrêter. Hein. Pour aller valider rats. Force brute dernière. Hein. Alors, voilà. Roi des barbares. Alors, je vais pas utiliser ma capacité maintenant. Parce que sinon, je vais perdre mes 500 points de vie de récupération. Ce serait bête, surtout qu'ici, il y a plein de bombes. Donc voilà, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, il y a 13 bombes. Là, je me dis quand même que c'est un peu chaud. Hein. Allez, hop là, j'utilise. Et puis, son attaque, elle augmente. Voilà, donc. Là, ça va se dépêcher. Donc voilà. Alors là, par contre, là, mes barbares, ils vont se prendre toutes les bombes. Il y en a un qui a survécu. Ah bah là, il doit être content. Est-ce que moi, sinon, mes cochons sont terminés. Bon, j'ai pas utilisé de gemme. Bon bah écoutez, je vous montrerai, je ferai une attaque prochainement avec mes cochons. Et je vais attaquer ce village. Enfin, cette map, la dernière, et vous verrez ce que ça fait 40 cochons niveau 2. J'utiliserai sur de foot tout ça. Allez, à plus!